Arrête, tu as mis une histoire là quand même. Hein. T'es méchant là, tu as mis fort là. T'es grave méchant. Hi guys, welcome back to my channel. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. On est ravis et très excités de vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Donc je suis en compagnie de mes frères et sœurs. Et aujourd'hui du coup on fera un petit challenge qui sera très simple. Si tu rigoles, on te claque, ok? Donc là devant nous, on a des blagues qu'on va devoir piocher. Elles sont hyper méga marrantes et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et du coup qui pourraient devenir marrantes parce que du coup elles ne sont pas drôles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et on a également de l'eau. Supposons que c'est avec Madela que je vais faire le challenge. Madela aura de l'eau dans la bouche et moi je vais lui lire une blague. Si Madela rigole à la blague ou qu'il y a un peu d'eau qui fuit de sa bouche, elle a perdu et moi je la gifle, ok? Donc ça va être hyper méga cool. Mais quand ça sera à mon tour, que personne ne me gifle, hein. Je suis pas votre petite, hein. Je suis votre grande sœur, hein. Que personne ne me gifle. Ok, donc en commentaire, faites vos pronostics. Qui se fera le plus tarté et qui se fera le moins tarté? Qui va gagner en fait, ok? Donc mettez un hashtag Peno si vous pensez que je vais gagner. Hashtag Peno en commentaire. Mettez un hashtag Madela si vous pensez que elle va gagner. Sachant que on a déjà fait ce jeu là il y a quelques années et Madela était arrivée première, je crois. Oui. Ouais. Mais hé, ma chérie, là tu vas perdre. Parce qu'il est hors de question que mes petites soeurs elles me giflent. Ça va pas ou quoi? De quel monde vivent-ils? Hashtag Sephora. Rien que le fait que j'ai le visage de la personne proche de moi, je vais rigoler. Ou un hashtag Clinton. Moi, je vais gagner, c'est sûr. Qui dit que tu vas gagner? Je suis très insensible aux blagues. Juste avant de commencer cette vidéo et de voir qui va se faire tarter, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que tu attends en fait? Sista, broda, on ne se prend pas la tête ici. Tang, 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 tang. Le tang de le faire ainsi que de... cliquez sur la cloche de notification pour être informé que je poste une vidéo en ligne. À liker pour plus de vidéos en famille. Et let's get into it. Attendez que je me lève avec mon gros corps le temps que j'arrive. Sephora, tu vas lire une blague à Madela. Madela, toi tu vas boire de l'eau. Sephora, si Madela rigole ou s'il y a de l'eau qui fuit de sa bouche, tu la gifles. Ok? Une goutte. Une goutte, Madela. Même si c'est une goutte, elle te gifle. Quel est l'aliment le plus hilarant? Le riz. Bravo, Madela, t'as pas rigolé. Sephora, une autre blague à Madela? Ouais. Que dit-on d'une fleur qui a zéro à son contrôle? Qu'elle s'est plantée. Bruh. Ok, tu peux avaler l'eau que j'ai dans la bouche. Comment appelle-t-on un jeudi très nul? Une tragédie. Non, 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 non. Pourquoi les moutons aiment bien les chewing-gums? Parce que c'est bon pour la reine. Est-ce que t'es prêt à recevoir une gifle à peur? Clinton va me lire la première blague. Moi, je vais boire de l'eau et je vais devoir ne pas rigoler. T'as souri? Mm-hmm. Mais c'est fini. Un mot, les Lesson Squad. Un mot. Mais. T'as perdu. Voilà. Voilà, voilà. Je vous ai dit, je vais gagner. Pariez sur moi. Vous voulez pas écouter? Ah, mais ça c'est pas. Tu dois te la mettre. Attends, attends, tu sais quoi? Attends, attends. Tu me la mets à la fin de la partie. D'abord, moi je fais toi d'abord. Ouais, à son tour. Si il rigole, eh ben je le gifle. Mais déjà, lui, enfin, il me doit une gifle. Ok? T'es prêt? Comment est-ce que la chouette sait que son mari boude? Parce qu'il boude. Parce qu'il boude. Bruh. Que fait Platon quand ça le démange? Il Socrate. Qui est Socrate? Socrate qui t'a... Qui t'a dit Socrate? Ok, il n'a pas rigolé. Une gifle t'as peur. Mon petit frère m'a gifé moi. Ça va, ça va. Clinton, si tu perds cette manche, c'est pour elle te claque. Que dit une imprimante dans l'eau?
J'ai pas pied. Bruh. Que dit une vache quand elle ferme les yeux? Du lait concentré. Quel est le pays le plus cool du monde? Oli Pata. Mais c'est le Yémen. Mais elle est nulle la blague. Quel est le café préféré des Espagnols? Le café olé. Donc vous voyez ce truc. Non, c'est bon, Madia, c'est bon. Sortez là, s'il vous plaît. Hein. Prenez-la. Que fait-on? En voleur! Salam! On le tue! Tuez! Quel est le sport le plus silencieux? Le parachute! Parachute! Bon, Lawson Squad, j'ai la faculté de reproduire plusieurs accents africains et là je vais m'en servir. Allez! Mais, Pelola, combien de fils a la mère de Justin Bieber? Mais Pelola, Justin! Pelola, Justin! Mais tu ne connais pas ton cousin Justin? Mais il était dans les bas quartiers d'un calibre. Dans les bas quartiers de Hania. Bah, un coup KO. Là on est presque, on va dire, à la finale hein. Vous avez bien vu, tout le monde est sorti, je suis trop fort. Donc là je suis face à Sephora. Sephora elle a pas encore rigolé, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Je sais où tu vas rire. Tu étais ici en train de faire des squats. Et au dernier squat Sephora, quand tu t'es baissé, tu as pété. Ça se sentait. Elle a rigolé. Victoire. Mais j'ai pas pété. Non. Sephora, Madela, venez prendre votre claque s'il vous plaît. Mais Clint, t'es chaud quand même hein. Je suis trop chaud. Pariez sur moi les gars. Non, arrête là, je suis encore plus en stress. Arrête. Il a mis fort. Dehors. Oh, elle est trop mignonne. Regardez Linora. Oh, j'arrête, c'est ce qu'il y a à ta soeur. Oh, elle est trop mignonne. Oh là là, c'est trop mignonne. Arrête, tu as mis fort là quand même. T'es méchant là, tu as mis fort là. T'es grave méchant. Viens mon bébé, viens. Honte à toi en fait. Honte à toi. Non mais honte à toi en fait. C'est fini. Mais franchement, honte à toi en fait. J'ai eu un câlin et un bisou. Je te déteste, Clinton. Oh, désolé, Madela. Je savais pas que c'est aussi fort. Pardon. Non, là, je m'excuse. D'accord, je vais te faire un cadeau, ok? Ouais, je vais te faire un cadeau. Tu veux quoi, du coup, tu manges quoi ce soir? Une pizza avec l'hypocrite de la souris tout de suite. Guys, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, dans mon avant-dernière vidéo, beaucoup ont remarqué que j'ai également perdu du poids et m'ont demandé comment est-ce que j'ai fait. Donc je vous laisse avec une petite immersion dans laquelle je vous explique comment est-ce que j'ai perdu quelques kilos grâce à mon régime keto. Très rapide hein. À mon retour de vacances en Afrique, j'ai remarqué que j'avais grave pris du poids et je ne me supportais plus, je me trouvais trop moche. Et quelques jours après, je suis partie me coiffer. Et là-bas, au centre de coiffure, quelqu'un a parlé du régime keto que je ne connaissais absolument pas. Elle m'a montré ses photos avant-après. Elle me disait en gros que voilà, qu'elle a suivi le régime keto. Elle ne mange que keto, elle ne respire que keto, elle ne pense que keto. Et que vraiment, c'est un régime qui est super parce qu'en fait, il est basé sur des produits gras, enfin sur des aliments qui sont gras, sur des repas qui sont gras, mais très faible en glucides, très pauvre en sucre. Et c'est ça en fait qui te permet de perdre du poids avec keto. Donc du coup, avec keto, tu peux manger du bacon, du cheddar, de la mayonnaise, enfin tu peux manger vraiment plein de choses, mais il ne faut juste pas manger de sucre. Si tu manges du sucre
pendant ton régime keto, c'est là que tu gâches tout en fait, tu vois. Donc du coup, moi j'ai combiné régime keto avec le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange de telle heure à telle heure, et quand je mange keto, et c'est là en fait que j'ai fondu, et là je continue. En plus, keto c'est bon, c'est juste qu'il faut faire attention à ce que tu peux manger et à ce que tu ne peux pas manger. Et pour être sûr de ne pas se tromper, je vous recommande l'application Keto Cycle qui t'explique très bien le principe du régime keto et qui te propose tous les jours des repas keto ainsi que des sports adaptés à faire à la maison. Donc c'est un régime qui fonctionne vraiment, je vous invite à aller vous renseigner. Vraiment, le régime keto c'est un peu une merveille, surtout pour ceux qui sont très gourmands et qui en ont marre de manger que fruits et légumes. Là vraiment, la viande, le bœuf et tout, vous avez le droit, vous avez vraiment le droit de manger ça, mais juste pas de sucre, pas de glucose, ou en tout cas il faut vraiment suivre le régime à la lettre et ne pas faire de bêtises, et vous allez fondre comme de la glace. Donc je vous mets le lien de l'application Keto Cycle en barre d'infos. Regardez, j'ai plus de double menton et je suis trop contente. Je me trouve beaucoup plus jolie, j'ai plus confiance en moi, je me sens mieux même dans les photos. Quand je me regarde, je me dis waouh, t'as perdu tout ce poids là et pourtant j'ai même pas l'impression d'avoir galéré. Et on se fait de très gros bisous.